Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme qui a faim. Quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin, une tête couleur de poussière, ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête d'homme, il n'y pense pas, il songe, il imagine une autre tête, une tête de veau par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement il grince des dents, doucement, car le monde se paye sa tête et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé, et il a beau répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. Ça dure 3 jours, 3 nuits sans manger. Et derrière ses vitres, ses bouteilles, ses conserves, ses pâtés, poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. Que de barricades pour 6 malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot, café crème et croissant chaud. L'homme titube et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, un brouillard de mots. Sardine à manger, œuf dur, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crème, café crème, arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs, soit un café arrosé, 0,70 francs, 2 tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme.